Hello tout le monde, j'espère que vous êtes tous très bien. Du coup aujourd'hui je vous retrouve avec une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube qui est une vidéo de voyage. J'ai eu la chance cette année de partir à New York, donc c'était un cadeau que mes parents m'avaient offert pour mes 17 ans à moi et à ma sœur. Et c'était vraiment un voyage ouf à faire au moins une fois dans sa vie. Et enfin bref, c'est juste, j'ai juste pas les mots tellement c'était genre un truc de dingue. En fait j'ai pas vraiment filmé de vlog quand j'étais là-bas, mais j'ai pris vraiment beaucoup beaucoup de photos parce que ça m'a impressionnée. Et du coup je me suis dit que ça pouvait être sympa de prendre toutes les photos que j'avais eues, que j'avais prises et en faire une vidéo pour vous expliquer un petit peu l'aventure à New York. Je sais pas si ça risque d'être ouf comme c'est que des photos et pas vraiment beaucoup beaucoup de vidéos, mais j'espère tout de même que le résultat sera super sympa. Et voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis bonne vidéo. Après 10 heures de vol et au moins 3 films matés de 3 heures, voilà enfin arrivé à New York. Le premier truc qu'on a vu en arrivant c'est Times Square et Dieu sait qu'on l'a vu. Et tout est éclairé, c'est bleu, enfin c'est immense. La foule qu'il y a là-bas c'est juste waouh. Et nous on a eu la chance d'avoir notre hôtel juste à côté, donc on y est passé un milliard de fois et la nuit c'est waouh. On a clairement des drapeaux américains affichés de partout et on se sent tellement petit face aux immeubles qui sont immenses. On a pas mal marché, on a aussi beaucoup fait les magasins, j'ai acheté une paire de Jordan que j'adore d'amour. Et normalement on est tombé sur un magasin qui s'appelle Macy's qui en fait c'est les marques à prix plus bas. Et nous par le plus grand des hasards on s'y retrouvait pour l'ouverture et en fait à l'ouverture les vendeurs accueillent les clients en chantant et c'était juste énorme. Puis bien évidemment, il a fallu qu'on aille à Central Park, c'était un passage obligé, donc comment dire que c'est particulier de voir toute cette nature au milieu de tous ces immeubles, c'est ça rajoute un truc en plus et c'est assez particulier et c'est essentiel pour New York parce que trop d'immeubles sinon, et c'est vraiment très très beau. Bon au début j'ai pris une photo d'écureuil mais voilà. Bien évidemment on était obligé de faire des musées et on voulait faire celui de la préhistoire sauf qu'il était réservé aux enfants pour Halloween. Du coup on a fait le Art Museum et un musée qui est comme le musée Grévin, tout de cire, donc j'ai préféré celui d'art bien évidemment. Ice pops, I'ma make a shoelace, necklace. Yeah, we whipping pops on Lexus, and I'm skipping school days. Mic drops, eyes on summer like Cyclops. Yeah, we falling off the sidewalk. Mama wants your home for nightfall. Cool days, hot tops, with my blue face. Ice pops, I'ma make a shoelace. J'ai pris quelques images de New York la nuit et comme vous pouvez voir c'est juste super éclairé. Sur les images, le temps n'était pas toujours tip top. Le plus épaté c'était les grandes églises qui étaient assez anciennes au milieu de tous ces immeubles qui étaient modernes, ça faisait super bizarre. Le dernier jour on est allé voir la gare de New York qui est juste impressionnante et puis on a dû rentrer chez nous pour 10 heures de vol et puis retour à la France.